ça a été compliqué dès le début de match, beaucoup d'adresses de leur côté et vous avez eu du mal à débuter. Ouais, on a bien vu que ouais, ils ont une grosse adresse au premier quart-temps, ils n'ont pas raté beaucoup de tirs. Puis même sur l'ensemble du match, on voit qu'ils sont à 65% à 3 points, du coup c'était une soirée difficile pour nous, on a mis trop de temps à se mettre dans le match, il nous a fallu une mi-temps et ben, on a payé. Une grosse adresse, mais en premier quart-temps, ils étaient souvent ouverts de loin, ils en ont bien profité. Ouais, première mi-temps, défensivement, on n'y est pas du tout, ils ont des shoots ouverts et ils les mettent, donc bah, c'est mérité pour eux. Hein. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, on a été en retard surtout. Surtout, ils ont mis, je crois, 33 points au premier quart-temps, 22 au deuxième. Après, c'est compliqué de gagner des matchs comme ça, à l'extérieur, contre des grosses équipes. Vous faites quand même des efforts après, vous revenez à 15 points dans le troisième quart, mais vous avez trop pioché, c'était trop loin. C'était 21, 22 à la mi-temps, ouais, c'était compliqué, on partait vraiment de trop loin, et enfin, après contre les équipes du haut de tableau, on le paye cash, et ce soir on a payé, on a perdu la bataille du rebond aussi, c'était important de la gagner, parce que ça avait été, c'est une équipe qui prend beaucoup de rebonds, surtout avec Fall. C'est difficile quand on parle rebond qu'on est en retard défensivement surtout comme ça. Comment t'expliques-toi les difficultés plus générales à l'extérieur? J'ai l'impression que vous êtes sur 7 défaites de suite à l'extérieur. Ouais, après, bah, franchement, je sais pas. Après, il y a peut-être des voyages qui pèsent un peu dans les jambes aussi, mais on ne veut pas se cacher derrière ça, donc je sais pas. Merci.